Okay, de manière très simple, est-ce qu'il y a des amours pour toi qui sont impossibles? Ça dépend ce qu'on met derrière amour. Si tu parles de relation, oui, probablement. Après, l'amour en général, pour moi, il est au cœur de tout. Ok. Qu'est-ce que toi tu mets derrière amour alors justement? Pour moi, l'amour, c'est la colonne vertébrale de la vie. Ça se résume pas à des relations sentimentales. Ça commence quand on donne la vie, l'amour de ta mère. Ça me fait penser à Romain Gary et La Promesse de l'Aube, qui est un roman merveilleux sur justement l'amour d'une mère et la promesse que ça nous fait à l'aube de notre vie, qui finalement n'est pas toujours tenable au-delà de l'amour de notre mère. Et après, c'est... Moi, je mets de l'amour dans toutes les relations qui traversent ma vie, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qu'elle promet comme amour, une maman? Je pense qu'après, ça dépend des chemins, donc je pourrais pas parler de manière générale. Moi, je crois que la mienne, elle m'a offert... Dès les premiers instants, un socle de quelque chose qui est inconditionnel en fait, qui, peu importe les épreuves que tu as traversées, peu importe les choix que tu vas faire, peu importe l'audace que tu auras, tu auras toujours cette maman qui est là et qui, à travers l'amour qu'elle te porte, qui est sans condition, te permet de réaliser à peu près tout, en fait, finalement. Pourquoi l'amour d'une maman, ça nous permet de réaliser à peu près tout? Je crois que... Je crois que pour trouver la paix intérieure, faut que tu puisses être en paix avec toi-même. Qui que tu sois. Personnellement, ma paix, je la trouve beaucoup dans des moments d'introversion et de solitude, que j'apprécie beaucoup. Mais pour autant, si tu vis juste une vie qui est de solitude et d'introversion, ben, je crains qu'elle soit pauvre, en fait, cette vie-là. Qu'elle soit appauvrie. Et que ce qui va l'enrichir, c'est les relations que tu vas pouvoir établir avec les autres, les connexions que tu vas pouvoir avoir. Et ces connexions-là, elles passent à travers l'amour. Et l'amour que ta mère, elle te porte, quand tu as la chance en tout cas d'avoir ce que j'ai reçu et qui m'accompagne encore au quotidien, c'est quelque chose qui va te donner une confiance immense et à la fois ça te permet aussi de te recentrer et d'apprendre si en fait le premier être avec lequel tu es en contact quand tu nais c'est ta mère. Même si après la relation peut devenir complexe, c'est le premier être avec qui tu as un contact au niveau de la peau, etc. Et du coup cet amour-là, je pense qu'il définit quand même pas mal de choses dans le rapport aux autres que tu vas pouvoir construire et le rapport que tu vas pouvoir avoir avec toi-même. Moi, le jour où j'ai décidé, et ça a mis beaucoup de temps, de m'aimer, c'est pour ma mère. Vraiment. Le jour où tu as décidé de t'aimer. Donc aujourd'hui, tu t'aimes? Ouais. Comment tu as fini par réussir à t'aimer? Je pense que c'est un long chemin. Je pense que tant qu'on est en vie, on n'est jamais arrivé.
Ça me semble évident parce que bah, la vie, c'est un mouvement et qu'il se passe plein de choses en nous et autour de nous. Parfois, ça peut... En tout cas, pour ma part, j'ai envie de te dire que entre mes 0 et 30 ans, j'étais quelqu'un qui était vraiment en mode survie. Malgré cet amour. Et... Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et je... franchement, depuis 4 ans, j'aime beaucoup la vie que je mène. Vraiment beaucoup. Et c'est passé par cet amour que tu vas pouvoir te porter à toi-même, qui implique d'accepter tes imperfections. Alors ça, c'est un chemin. Ça se fait pas. Et je suis pas sûre d'être arrivée. Et je crois pas que je serai réellement arrivée un jour. Mais en tout cas, ça passe beaucoup par cette acceptation-là. Et c'est surtout par rapport à ce que je te disais par rapport à ma mère, c'est que je... En fait, ta position d'enfant et t'as plein d'enfants malheureusement qui ne reçoivent pas ce qu'un enfant, pour moi en tout cas, devrait recevoir, à savoir l'amour, la sécurité. Et quand j'entends sécurité, c'est pas que la sécurité matérielle, c'est aussi beaucoup la sécurité émotionnelle, dans la construction émotionnelle que tu vas pouvoir avoir. Et ça implique plein de choses dans ta construction. Mais à un moment donné, moi, j'ai eu un déclic de me dire, ok, soit toute ta vie, t'es triste pour cette petite fille qui a pas forcément reçu cette sécurité émotionnelle, soit tu regardes ce que tu as. Et je pense que tous autant qu'on est, on fait des rencontres. Si c'est pas au sein de la cellule familiale, ça va être en dehors. Et c'est comment tu te saisis de ces rencontres-là. C'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, c'est important de savoir t'aimer toi et d'avoir ton propre cheminement tout seul. Mais néanmoins, la connexion que tu vas avoir avec les autres va te permettre de te découvrir et d'aller encore plus loin. Et ça passe par l'amour. Parce que si tu vas avec des gens qui soit te rabaissent, soit font pas confiance à ton audace, te font douter d'une manière... En fait, on a tous de la lumière en nous. Tous. Ça, moi, j'en suis profondément convaincue. Mais ce qui implique la lumière implique l'ombre. Donc t'as ta part d'ombre, t'as ta part de lumière. C'est l'être humain, il est comme ça. Pour moi, cette part de lumière et comment tu vas pouvoir l'offrir au monde, c'est en la cultivant, en la nourrissant. Toi, tu dois apprendre à la cultiver, à la nourrir. Et les gens dont tu vas t'entourer, il faut absolument que ce soit des gens qui cultivent et qui nourrissent ça. C'est pour ça que l'amour inconditionnel de ma mère, il est précieux, parce qu'elle m'a donné ça. Mais après, ça suffit pas si c'est que à travers les autres, faut aussi que ça soit à travers toi. Et ça va être un juste équilibre entre les deux. Et la part d'ombre, faut que tu saches la regarder en face, certes, mais les êtres autour de toi qui te ramènent toujours à cette part d'ombre, bah ils empêchent la lumière d'émaner. Ils te font douter, ils te rendent triste. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Après, on aura toujours des gens comme ça sur notre chemin. Et c'est pas forcément des mauvaises personnes. Ça veut peut-être juste dire qu'à un moment donné, il y a une connexion qui se fait pas. Et c'est comment tu vas te saisir de la manière dont ils vont aller toucher à ta faille, à ta part d'ombre, qui va faire que t'es en paix ou pas avec toi-même. Et si t'es en paix avec toi-même, eh ben t'arrives à retrouver l'équilibre. Ça peut être très tumultueux, très douloureux. J'ai mis le mot emportement. Ça me ramène à il y a quelques semaines. Et cet emportement a impliqué justement un regard qui a été très douloureux, un regard qui a été porté sur moi, qui a été très douloureux. Mais finalement,
là on est au mois de juillet. Bah, si je fais le bilan depuis le mois de janvier, je crois que ce moment qui a été extrêmement douloureux m'a fait faire des pas en avant, qui sont des pas de géant dans mon cheminement intérieur. Un grand merci à toi.